Donc au Palais Omnisports de Bercy, mon cher Nelson, et nous avons beaucoup de chance puisque nous allons débuter ce concours de la finale du cheval d'Arçon avec l'un des tout meilleurs du monde, on peut le dire aujourd'hui, le champion de France Patrice Cadismir d'Antibes, réunionnais, qui va nous démontrer sur ce cheval d'Arçon, Michel Boutard, que on peut prendre beaucoup de risques, mais des risques calculés. Et c'est vrai que Casimir a beaucoup progressé dans ce domaine. Il est capable maintenant d'assurer un mouvement jusqu'au bout, jusqu'à la sortie. Alors qu'au cours de cette finale, eh bien vous verrez que même l'un des meilleurs du monde n'a pu aller jusqu'au bout de ses ambitions. Voilà, Patrice Cadismir, que l'on a peu vu l'an dernier, mais qui revient ici au plus haut niveau avec les internationaux de France. Regardez-le bien, c'est un styliste à cet agrès. Il est né sur cet engin. Il enchaîne, il combine avec beaucoup d'aisance tous les cercles sur les yeux à Arçon. Ici, un transport en cercle Thomas traverse tout le cheval. Voilà le passage en ciseaux. Et le moment le plus difficile pour Casimir, c'est d'aller jusqu'au bout de cet exercice. Toute la phase finale, mais c'est réussi pour Patrice. Eh bien, bravo, il ne s'est pas déconcentré. Il a réussi à emmener son mouvement jusqu'au bout. Patrice Cadismir, qui on peut le dire, prend enfin du métier. Métier et maîtrise, effectivement. Car si c'est un garçon extrêmement doué et qui est doté de qualités physiques exceptionnelles en ce qui concerne la souplesse et le dynamisme, il lui manquait peut-être un petit peu de continuité dans son mental. Il avait été...